Salut à tous les gars, c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. On va se faire une petite course en Osiris. Voilà, une petite course Osiris. Apparemment, ce serait du perfect aussi si je dis pas de conneries. Donc voilà, le lien de la description est dans la course. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le lien de la course est dans la description. N'hésitez pas à aller checker, à aller y prendre si ça vous intéresse. Et puis voilà quoi, j'ai envie de dire, il y a deux tours, on est là, on est tranquille en Osiris, c'est le mois de juin, il fait beau, il fait chaud. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui sont déjà en vacances de votre côté, je ne sais. Je ne sais. En tout cas, voilà, on profite, petite course en Osiris, ça fait plaisir. On va voir si c'est bien, si c'est du perfect ou pas. Déjà, la course précédente, je vous invite à aller la voir. Hein. S'il y en aurait parmi vous qui ne seraient... qui ne serait pas allé la voir, je vous invite vraiment à aller la voir, c'était une course vraiment magnifique. Une course en Osiris aussi, qui était vraiment bien réalisée. Hein. Franchement, il n'y avait rien à dire. Donc voilà, je connais pas encore le contenu de celle-ci, hein, mais ça peut se produire à nouveau, hein, une très belle course peut se reproduire sous nos yeux. On verra. Oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je raconte? Ok, ça commence ici. Attention, je touche à rien, je touche toujours à rien, et ben il fallait toucher, voilà. Non mais c'est tout, là, je veux dire, il faut bien être honnête de temps en temps, quand ça va bien je le dis, quand ça va pas je le dis. Là il fallait toucher, j'ai rien touché, je me suis vautré, voilà, c'est tout. Faut quand même maîtriser un minimum. Voilà, là j'ai touché un petit peu, ça va mieux. Non, franchement, c'est vraiment dur à faire, je pense, ces courses. Donc, on va pas jeter la pierre aux créateurs qui font quand même des merveilles. Qui font quand même des choses bizarres. Hein. Là, j'ai rien touché, il aurait vraiment fallu que je touche. Bon, on va se dire, dans cette vidéo, c'est un semi-perfect, d'accord? Il y a des moments, ça passe tout seul, il y a des moments, il faut se toucher, d'accord? Il faut se toucher. Non, il faut toucher la manette, on va pas... Hein, voilà. On va arrêter là pour ce dialogue bizarre. Ok, là on est bon. Et là normalement... Non, là c'est bon, ça s'est bien enchaîné pour le coup. Petite perte de vitesse, c'est pas grave. Là c'est good. C'est good. C'était une question de chance là pour le coup. Le premier coup n'était pas passé, la deuxième c'était mieux. Pourtant j'ai toujours pas touché non plus. Ouais bon, ça va, ça passe. C'était moins stylé que la première course, mais ça passe. C'est pour ça que je vous invite réellement à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. La première course de la journée à 9h. N'hésitez pas. Elle est sortie ce matin à 9h. Si vous l'avez pas vue, je vous la conseille vraiment. Ça peut valoir le coup pour le coup. Oh, valoir le coup pour le coup. Ça fait beaucoup de pour le coup pour le coup. Et oui. Et oui. Deuxième tour déjà? Ah oui. Ah ouais, bah ouais. Ouh, ça tourne. Oh, con. Hop là, on revient sur la route, ni vu ni connu, je t'embrouille, la voiture elle a rien, les phares s'allument plus, mais c'est pas grave, il fait jour, on n'a pas besoin de phares. Oh oh, c'est bon, ça passe. Ouh, je crois que ça va tourner là-bas, ouais c'est là-bas que ça tourne, attention, ça passe. Ok. Boost. Merde. Ah, c'est ça, voilà. J'ai pas collé le mur, bah voilà. J'ai pas collé. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Là, je colle, et voilà. Et ça marche tout de suite mieux, hein. C'est bizarre, hein. Là, on maîtrise un petit peu parce que sinon, ça part en cacahuète. Voilà, c'est la preuve. J'ai touché un peu trop et c'est parti plus vite en cacahuète. Moi, je suis un tech, je touche pas le mur, il y a quoi. Allez, ça passe. Ouais. Ouh. Voilà, c'est good. Là c'est good aussi, là c'est good aussi, là on est bon, voilà, et voilà. Alors là ça faisait beaucoup de voilà, mais bon c'est comme ça.
Ok, retour sur la terre ferme. En tout cas, cette course était aussi très bien réalisée. Hein. On va pas se mentir. On va pas jeter la pierre au créateur talentueux non plus. Elle était quand même pas mal. Voilà, bon bah écoutez, c'est nickel. Sur cette belle fin de course, on va se laisser là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye.